Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir Blizzabel sur console, sur Nintendo, sur PlayStation, sur Xbox, sur téléphone, sur toutes les applications que vous voulez sans utiliser un PC. Alors bien entendu, vous pouvez utiliser un PC, mais voilà, je vais vous montrer un truc, c'est un truc de malade, ok? Donc déjà, ce que je vais vous montrer là, c'est que dans mon casier, je n'ai pas le skin Blizzabel. Ok, donc regardez, hop, je vais trier dans récent et je n'ai pas de skin Blizzabel. Et quand je fais, même si je tape recherche Bli, eh ben je n'ai pas de skin qui commence par BLI. Donc déjà, ça c'est la preuve que je n'ai pas Blizzabel sur mon compte. Alors maintenant, avec votre téléphone ou un PC qui est super nul, moi je le fais avec un PC, mais vous pouvez le faire sur téléphone. Je vais vous montrer ça tout de suite, regardez-moi ça. Bon, voilà, on est sur mon PC. Bien entendu, moi, je suis sur PC, je vous montre sur PC. Mais regardez, vous pouvez le faire avec un PC Windows, un Mac OS, avec un Android, avec une télévision Android. Carrément, vous pouvez le faire avec une télévision, les mecs. Et vous pouvez le faire avec un téléviseur LG. Donc, ça, c'est Nvidia GeForce Now. Donc, en fait, c'est un site internet qui va vous permettre de jouer à Fortnite avec une bonne connexion, bien entendu, il vous faut une connexion, une assez bonne connexion, pour pouvoir vous connecter sur le site, télécharger l'application sur Google Play de votre téléphone ou de votre télévision, ou de votre Mac, téléviseur LG, PC Windows, même si vous avez un PC explosé, tout, super nul. Donc voilà, vous pouvez le faire. En fait, vous téléchargez le truc. Et ensuite, grâce à ce site, vous allez pouvoir jouer en streaming. Donc c'est comme si vous vous connectiez sur un PC qui est ailleurs. Vous connectez sur un PC qui est dans l'entreprise de Nvidia GeForce. Voilà, vous prenez le contrôle d'un PC là-bas via votre téléphone, via votre télé ou via autre chose, même via votre PC. C'est pour avoir un meilleur PC et pour pouvoir se connecter. Voilà, c'est une chose qui existe depuis quelques années. Et là, en fait, je vais me servir de ce site internet pour débloquer mon skin. Alors, je n'ai jamais fait ça. Je vais le faire avec vous, étape par étape. Par contre, première chose avant de commencer n'importe quoi, première chose, vous ne touchez à rien, vous ne téléchargez rien. Première chose que vous faites, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté sur le site internet PlayStation, que je vous mettrai bien sûr en description. Ensuite, je me suis connecté avec mon compte YTB, sois cool mec. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur Fortnite et je me suis connecté avec mon compte SCM. Donc, SCM. SM. Est-ce que c'est mon compte, ça? Non, c'est peut-être pas mon compte. Donc, ce que je vais faire, maintenant que je suis connecté ici avec PlayStation, je suis pas sûr que c'est mon compte. Donc, je vais quand même me reconnecter au cas où. Donc là, je me connecte avec mon compte PlayStation. Donc, directement, ça va se connecter sur mon compte PlayStation parce que je me suis inscrit déjà. Enfin, je me suis déjà connecté sur PlayStation. Donc, ça va sur le site. Voilà. Là, il me semble bien que c'était pas le bon compte. Là, regardez, il est marqué YouTube, sois cool mec. Donc, comme ici. YouTube, sois cool mec. Donc là, je suis bien connecté sur mon compte PlayStation, sur Fortnite, Epic Game. Donc, bien sûr, le lien de Epic Game aussi, je vous le mettrai en description. Maintenant que vous vous êtes connecté sur Epic Game avec votre compte, après, vous pouvez vous connecter avec Google, etc. Hein, si vous connaissez votre mot de passe, moi, je le fais via PlayStation parce que ben, c'est plus simple pour moi. Alors, quand vous êtes connecté sur Epic Game, important, vous allez aller sur le site que je vais vous mettre aussi en description et en commentaire épinglé. Vous allez sur nvidia.com et là vous allez télécharger le logiciel sur Android si vous êtes sur téléphone, sur télévision Android, sur téléviseur LG ou sur Mac OS. Moi je vais le télécharger sur PC parce que je suis sur PC. Alors bien évidemment, je prends mon temps pour vous expliquer les mecs parce qu'en fait je veux que ça se fasse bien correctement. Donc je préfère prendre mon temps et pas aller trop vite, comme ça vous savez faire étape par étape en même temps que moi. Donc là je télécharge GeForce Now. Ne vous tracassez pas, c'est complètement gratuit. Hein. J'ai oublié de le dire, c'est complètement gratuit. C'est juste que si vous voulez absolument le skin Blizzabel, je vois qu'il y a plein d'autres gens qui le veulent, eh ben j'ai trouvé la solution. Donc là,
Et c'est grâce aux abonnés, hein, parce que j'ai été voir les commentaires, je vois GeForce Now, GeForce Now, GeForce Now. Alors je me dis, c'est quoi ça, GeForce Now? Alors je vérifie et tout, je me dis, ok, c'est quoi? Bon, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai cliqué sur le lien que j'avais téléchargé, bien entendu, j'ai cliqué dessus et là, c'est en train de s'installer. Donc moi, je vois GeForce Now, je me dis, what the fuck? Qu'est-ce que c'est? Donc je me suis renseigné et j'ai remarqué que c'était un truc un peu en streaming où tu contrôlais un PC à distance. Donc comme tu contrôles un PC à distance avec ton téléphone, vous avez juste à vous connecter avec votre compte Epic Games, aller sur Fortnite et ensuite aller dans la boutique Fortnite, prendre le skin Blizzabelle et puis après quitter l'application, quitter GeForce, désinstaller le truc et tout, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, bah, vous avez le skin Blizzabelle sur votre PC, votre compte console. Et c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais le tester avec vous. Si ça marche pas, la vidéo ne sortira pas. Et j'aurai perdu mon temps. Mais si ça marche, c'est juste insane. Alors, GeForce Now, blablabla, version, tchic-tchac. On accepte. Maintenant, je suis sur GeForce. C'est magnifique, c'est incroyable. Ce menu permet d'altérer. Alors, deux petites secondes. Ce qu'on va faire, c'est aller sur le site de GeForce Now. Quand vous avez téléchargé le truc, vous retournez sur le site. Et vous allez dans Adhésion. Je crois que c'est Adhésion. Ou peut-être pas, si c'est adhésion. Et là, vous allez choisir libérer. Donc, c'est vous pouvez payer par mois 10 euros ou 50 euros ou... c'est quoi ça? C'est une meilleure... ah ouais, c'est une meilleure... un meilleur PC, quoi. Et là, c'est 100 euros les 6 mois. Donc, 16 euros le mois. Donc, nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est le libérer, c'est gratuit. Plateforme de base, accès standard au serveur de jeu, durée de la session d'une heure. Donc ça veut dire qu'à chaque heure, si vous voulez jouer pendant une heure sur GeForce, chaque heure, il faudra redémarrer le jeu, mais il faut juste redémarrer le jeu, et après vous pourrez rejouer une heure, puis rejouer une heure. Voilà, il ne faudra même pas créer de compte, il faut juste redémarrer le jeu. Donc là, on va rejoindre ceci. On va voir ce qu'il va nous demander. Ok, il nous faut une adresse mail. Donc on va se connecter avec Google. Ok, donc là, je me suis connecté avec Google. Sois cool mec, affichez son nom. Ma date de naissance, je ne vais pas vous la montrer. Vous cliquez sur « I am humain », vous sélectionnez ben, les camions, hop, hop, voilà. Il y en avait un quatrième, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais noter ma date, mais je vais pas vous la montrer. Ensuite, j'ai cliqué sur le petit bouton « Créer le compte ». Maintenant, c'est en train de créer mon compte. Voilà, complète tout profil. Un email a été envoyé. Veuillez cliquer sur le lien dans l'email pour continuer. Donc là, vous allez sur votre adresse mail. Vous voyez le lien, vous cliquez sur « Vérifier l'adresse », « Vérification par courriel », c'est qu'onglet essaiera de fermer automatiquement dans 5 secondes. Voilà. Ensuite, vous retournez sur le site GeForce, presque fini. Paramètres recommandés, oui, montrez-moi les jeux de recommande, ouais, on va dire oui. Paramètres techniques, oui, j'aimerais aider un, oui, corriger les bugs, ouais. Email sur les jeux et divertissement, ouais, allez, oui. Ouais, quoique, ouais, oui, je pourrais le désactiver si jamais. Et après, vous cliquez sur le petit bouton vert. Alors, recherche de votre abonnement. Là, on attend. Félicitations, vous y êtes. Votre abonnement gratuit vous permet de jouer à vos jeux PC sur une variété d'appareils. De plus, vous pouvez prendre l'action avec vous ou que vous alliez avec des sauvegardes dans le cloud qui vous permet de reprendre votre jeu là où vous en étiez laissé. Ok. Offre spéciale, non, ça m'intéresse pas. Donc là, il me demande de le télécharger. Je l'ai déjà téléchargé. Donc on va quand même faire genre qu'on le télécharge. Vous avez déjà téléchargé GeForce et vous avez hâte de lancer. Vous ne vous laissez pas vous arrêter. Commencez à jouer à votre bibliothèque de jeux PC depuis le cloud sur tous les appareils. Donc, on va faire genre qu'on le télécharge. Voilà. Hein. Attends, on va faire vraiment genre qu'on le télécharge. Là, on l'annule. Ok, ça ne change pas la page. Donc voilà, on a téléchargé, on s'est inscrit, on a choisi l'abonnement gratuit. Maintenant, on va sur l'application GeForce. On met ça en grand. Maintenant, menu. Le menu permet d'altérer. Ouais, suivant. Recherche de jeu, j'ai compris. Connexion. En haut à droite, vous appuyez sur connexion. Connectez-vous avec votre fournisseur GeForce. Mise en charge en Belgique. Connectez-vous pour commencer. Voilà, je clique. Est-ce que ça va me connecter? Exactement, ça m'a connecté. Votre compte Nvidia, choisissez le compte pour continuer. Poursuivant. Vous cliquez sur poursuivant. Ensuite, on attend. Allez, voilà, parfait. Vous êtes connecté, fermez cet onglet et revenez à GeForce pour commencer à jouer. Parfait.
Donc là, je suis connecté. On voit bien que soit cool mec en haut à droite, c'est gratuit. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais tout simplement taper Fortnite. Let's go. Là, je lance Fortnite. Je clique sur Fortnite, je clique sur jouer. Avant de jouer, GeForce Now vous permet de jouer à vos jeux sur nos serveurs cloud. Pour jouer à ce jeu, vous devez vous connecter à votre compte Epic Games. Ça tombe bien, je me suis connecté avant. Connectez le compte. Connect your account automatic sync into Fortnite. Oui, je me suis connecté à Fortnite juste avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Fortnite. Epic Games. Ah voilà, ici. Connexion Epic Games. Connexion. Cliquez sur connexion à côté d'Epic Games. Utilisez Nvidia GeForce avec Epic Games. Autorisé. Ok, ça charge. Votre compte Epic Games est connecté. Parfait, on retourne sur l'application. Votre compte Epic Games est lié. Parfait. Voilà. Ensuite, on va recliquer sur Fortnite. On va cliquer sur jouer. On fait GeForce Now, il vous permet de jouer à 1. Ok, continuez. Et là, boum, 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 par magie, les frérots. Par magie, vous allez pouvoir vous connecter. Regardez, mon ordinateur Ethernet fake, fait. Et GeForce Now, je sais pas quoi. Alors, connexion. Ah! Ah, bien évidemment, je pense que je ne suis pas le seul à connaître cette astuce. Donc, en fait, comme tout le monde veut le skin Blizzabelle, et je suppose que les gens se connectent exprès pour ça à GeForce Now, eh bien, vous avez une file d'attente de 436 personnes. Alors, bien entendu, quand je vais partager cette astuce, c'est possible que le nombre de personnes augmente. Donc là, il va falloir être un petit peu patient, parce qu'ils n'ont pas un milliard de PC à nous léguer, à nous donner. Mais bon, je suppose que ça va diminuer vite, parce que les gens vont quoi? Vont se connecter, prendre le skin et se barrer. Donc au final, normalement, ça devrait descendre assez vite. Ici, il est 18h40. Je vais vous dire dans combien de temps. Je vous verrai par vous-même, hein, en bas à droite, vous verrez mon écran. Et vous verrez dans combien de temps exactement la file d'attente sera à zéro pour 400 joueurs. Voilà. Bien entendu, si vous prenez une mise à niveau et que vous achetez un abonnement, là, je pense que vous passez prioritaire. Là, c'est 420 personnes gratuites qui veulent se connecter. Joueurs gratuits. Donc, on va attendre. On a le temps, on n'est pas pressé. En tous les cas, attendez, je tiens à vous informer un petit truc là. N'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, les mecs. Non, mais sérieux. Et j'ai trouvé une astuce de folie. Donc, franchement, je mérite un petit code créateur 3 lettres SCM dans la boutique Fortnite. Je pense que je l'aurais bien mérité. Donc voilà. Merci à tous ceux qui le mettent. Bien entendu, c'était pas obligatoire. Mais ça fait quand même plaisir. Donc, n'oubliez pas de le mettre, les potos. Et franchement, vous êtes les plus BG. Je vous kiffe, les mecs. Bon, allez, à tout de suite après la file d'attente. Ok, donc il reste plus que 6 personnes avant que je puisse jouer. Donc regardez, il est 19h16, j'ai attendu 36 minutes pour une file de 450 personnes. Ok, donc là c'est parti, chargement en cours. Ok, donc on attend, j'ai même eu le temps d'aller manger les mecs. Enfin, c'est parfait, si vous voulez faire ça, vous allez manger. Après vous pouvez aussi attendre plus tard pour le faire. Hein. Nvidia GeForce Now. Alors vous pouvez attendre plus tard pour le faire. Donc là, on va accepter. Pour qu'il y ait moins de personnes. Donc désolé, mais je viens de finir de manger. Alors, si vous attendez plus tard, normalement, il y aura sûrement moins de personnes. Par contre, il faut savoir que le skin reste disponible en boutique jusqu'au 6 janvier. Donc, le 6 janvier à 2h du matin. Donc, le 5 janvier, quoi. Le 5 janvier, soir, normalement, il disparaîtra. 5 janvier à 2h du matin, enfin le soir quoi, dans la nuit du 5 janvier au 6 janvier, il disparaîtra le skin. Hein. Donc faites très attention. Essayez de vous y prendre quand même, peut-être dans une semaine, peut-être dans deux semaines, mais ne vous y prenez pas trop tard. Alors, on va mettre, on va pas mettre le son du jeu, du PC, parce que sinon ça va sûrement gueuler, parce que les paramètres sont sûrement réinitialisés. Donc là, j'attends, et oui, très important, la file d'attente n'a jamais bugué. Hein. Ok? Donc ça c'est assez cool. J'ai pas dû, par exemple, parfois il y a des files d'attente, t'attends une demi-heure et après elle se remet à zéro. Non, la file d'attente n'a pas bugué, donc c'est parfait. Là, regardez, je suis en train de me connecter à Fortnite. Mais c'est pas mon jeu, hein, c'est Nvidia, hein. Je rigole pas, hein, regardez. Regardez, ici je suis sur Nvidia. Hein. Regardez, Fortnite et Nvidia, hein. C'est pas Epic Games ou quoi.
Je suis pas en train de mytho là. Hein. De toute façon, vous essayez, vous verrez bien par vous-même. Mais hein. Ouais, je suis bien sur Fortnite. Oh là 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 là. Appuyez sur jouer. Oh là 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 là. Là, on va voir mon skin Spider-Man. Ok, il me semble bien, le son est super fort. C'est parti, je me tape carrément l'intro. Ok, on voyait mon skin Spider-Man. Attention les potos, voilà, voilà. Oula, il faut que je baisse le son. Oh, 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 ils sont paramètres là. Ok. Alors la fluidité, insane. Insane, c'est incroyable. C'est super, super rapide. Merde, je vois plus les boutons parce que j'ai appuyé sur le truc là. Hop. On va mettre en plein écran. Ça, ça marche pas. En fait, j'ai appuyé sur Windows et maintenant, je vois pas le bas de mon écran. Mais bon, c'est bon, j'ai réussi à enlever le son. Et là, regardez la photo. Regardez-moi ça. On va dans boutique d'objets. Et là, c'est là qu'il n'y a pas le skin. Et là, je pète un plomb. Non, là, je descends. Il est où, cet enfoiré? Il est là. Ah, ça m'a déconnecté. Regardez, ça m'a même déconnecté de mon jeu. Regardez. Hop, vous voyez, je suis déconnecté. Regardez, il est là. Et là, je clique dessus. Double clic. Acheter. Chargement. Ouais, j'aime bien annoncer tout ce qui se passe en fait. Ça pète. Chargement de votre commande. Merci. Et bam. Casier. On ne va pas le regarder là. On sait qu'il est là. Il y a un petit 1, mais on va pas le regarder. Si, on va le regarder. On le regarde. Pour bien vous montrer que je l'ai dans mes skins. Boum! Je me l'équipe carrément, frérot. Je me l'équipe direct. Boum! Voilà, si c'est pas beau tout ça. Et là, regardez, hop. On se retrouve sur mon PC. Sur ma PlayStation. On fait réessayer. Appuyez sur X pour se connecter. Là, normalement, ça devrait me déconnecter de GeForce parce que je me suis pas déconnecté. On va voir. Je pourrais même vous montrer les deux écrans. Regardez. Ah, oh, je suis connecté sur les deux. Ah, oh, je suis connecté sur les deux. Ok, ça m'a pas déconnecté du PC. Regardez, ça c'est le PC. Et ça c'est ma console, regardez. Ta 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 ta. Et j'ai le skin des poulets. J'ai le skin, regardez-moi ça. Donc voilà, l'astuce fonctionne réellement bien. Franchement, je suis super super content d'avoir trouvé cette astuce. Merci aux abonnés qui ont dit ouais, GeForce Now, merci. Ça m'a tilté, je me suis dit pourquoi ils disent ça, je ne comprends pas. Et grâce à vous, eh ben, j'ai pu partager cette astuce à toute ma communauté. Donc franchement, merci à tous ceux qui écrivent des commentaires et qui interagissent avec les vidéos. C'est super important. Nous, en tant que youtubeurs, ça nous aide d'avoir des commentaires, en fait, tout simplement, des réponses à nos vidéos et tout ça. Et franchement, vous êtes juste insane. Bien entendu, n'oubliez... Ah, voilà, ça m'a déconnecté sur GeForce Now. Regardez, ça vient de me déconnecter. Envoyez un message de commentaire. Ouais, donc ça a bugué. Là, ça m'a déconnecté. Donc là, tout simplement, vous quittez GeForce Now, vous quittez tout, vous désinstallez GeForce Now, vous faites tout ce que vous voulez, le mec, vous faites ce que vous voulez. Et là, vous connectez sur votre PlayStation et vous avez le skin. Donc voilà, bien entendu, vous connaissez les bails. Hashtag SCM dans le chat. Hashtag code SCM en minuscule ou en majuscule, comme vous voulez. Vous validez et vous êtes les boss. Vous êtes les boss, les beaux gosses. Donc voilà, merci à tous. Moi, je mets le code de Johnny34 parce que c'est mon frérot, donc voilà quoi. Mais voilà, vous, il faut mettre mon code, hein, les mecs. Il faut mettre le code SCM, hein. Vous connaissez les bails. Hein. Bon allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. De joyeuses fêtes si on ne se revoit pas. Ah bah non, je rigole, je live dans quelques minutes. Et on se dit à très bientôt pour plus de vidéos, les mecs. Mais n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et partager cette astuce au monde entier. Il faut les 1 million de vues, là. Non, je rigole. Non, mais franchement, prenez soin de vous, les potos. C'était soit cool, mec. Et ciao. Peace. I'm make bruh.